Là, ça fait deux jours qu'on est parti d'Agua Dulce, donc là on est là sur la section pour aller à Tel Chapi. Et là on va devoir affronter le désert, donc on s'y prépare mentalement ce matin. On est parti tôt. Et là voilà, on va aller longer l'aqueduc et puis on devrait passer par Aker Town, c'est une ville fantôme. Donc il n'y a pas beaucoup de choses, il y a un petit saloon, ça fait un petit peu cow-boy. Donc on se retrouve là-bas. On peut charger nos appareils et aller aux toilettes. Allez, c'est parti. On marche sur l'aqueduc. Il y a de l'eau là-dessous. Bon, je crois qu'il y a 16 km d'aqueduc. Puis après, c'est encore le désert. Ça sera pas trop servi des parapluies, mais aujourd'hui, c'est le bon moment. Quand même du bien. Ah, ça repose un peu d'avoir de l'ombre. Hein. Même s'il fait pas méga chaud au final. Ça fait la deuxième fois qu'on utilise le parapluie, donc on est content parce que bon, ça fait quand même 200-300 grammes à porter, donc voilà. Au moins, ça sert à quelque chose. Damien fait ma signature. Ok. Il m'a fait mes fossettes, il est bête. C'est la petite pause sous les Joshua Tree. C'est la seule ombre qu'on ait trouvée. On va trouver un petit peu d'ombre, sinon c'est trop jaune. Et ensoleillé. On va se motiver, on va finir de manger. Tortilla, salami, mozzarella. Je vais repartir. On aère un peu les pieds. Ça fait bien. Un champ de plantation d'éoliennes. Ah, le moment tant attendu. La première source d'eau depuis très longtemps. Oh, qui fait du bien ce petit robinet. Oh là là. De l'eau fraîche. Enfin, assez fraîche. Ça fait du bien. Petit spot sympa près de la rivière. Après 33,5 miles. Pfiou, on est crevé. Allez, on va faire à manger ce coup-ci. On est au milieu du désert et il y a des gens, des trail angels, qui nous ont mis des petites pommes, de l'eau, des gâteaux. C'est trop gentil. Deux, quatre, cinq, allez, six, tu peux le faire, six. Dernier jour de la section, on va rejoindre Tel Chapi aujourd'hui, 25 miles à faire. Là, on a déjà fait la moitié, on s'est levé tôt, on est fatigué, on a mal aux pieds, je pense qu'on va bien se reposer à Tel Chapi. Il y a encore des éoliennes de ce côté. Je crois que j'ai jamais vu autant d'éoliennes de ma vie, regarde. Il y en a encore tout. Là. En fait, c'est pas tout. Il y en a aussi là-bas, perte de vue. Il y en a perte de vue. Wow, j'ai vu autant d'éoliennes de ma vie.
pourquoi court-on comme ça? C'est parce que on va avoir un ride de Grumps qui va venir nous chercher. On a appelé un Trail Angel. Il nous a dit, il nous a parlé en plus en français, c'était vraiment drôle. La coïncidence, il a dit oh, ben, je serais content de pouvoir reparler en français. Donc en même temps, je viens vous chercher et il vient nous chercher là-bas. Les premiers, donc comme Julien or le train n'arrête pas ici. C'est un musée maintenant. Ah, c'est ouais. Un musée seulement. Bon, le moment tant attendu. on va se régaler. Allez, on a réservé une petite nuit à l'hôtel. On va se reposer. Ça, c'est le meilleur mode pour changer de section, puis tout ça, tout le plein, et puis tu vas laisser des trucs, tu mets ça pour les autres hackers, donc nous on va prendre ça. C'est pour aider à dormir. On arrive dans le Disneyland des grandes surfaces. Donc on est à TH Chappy et là on va aller se resupply à Walmart. Je crois qu'il y a un petit problème dans notre caddie. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que c'est? Combien de nuts? J'ai vu le prix, j'ai pris. C'est 6 dollars. 6 dollars, mais tu vas réussir à les manger? Ça va aller. Ça va aller. Je vais passer avec du soda. Et voilà, nous voilà repartis de la Chappy. Bien qu'on t'en a pris une place. Et là, voilà, on va marcher le long de l'autoroute pour reprendre le trail. On a un Trail Angel qui vient s'occuper du trail, qui vient dégager une misère. Je vous attendais depuis quelques heures, j'ai fait ça dans la nuit. Super gentil, oh là là. Là, on vient de croiser un instant des gens qui sont en train de faire un petit peu de nettoyage dans ce trail, dans ce chemin, parce que regardez, là, tous les arbres sont tombés. C'est super sympa qu'il y ait des bénévoles qui viennent aider comme ça. Je crois qu'on vient d'arriver au paradis là. Enfin, il me semble, c'est la vision du paradis. C'est bon, de l'ombre, la végétation, tout ce qu'on peut rêver. Il manque juste un petit point, c'est de l'eau. Alors on court vite à l'eau, c'est parti! Je crois que nous avons trouvé le petit spot idéal, un petit peu hors du chemin, le long de la rivière. Pour une fois, on va pouvoir prendre un petit bain, ça va être génial. On nettoie les chaussettes, sinon après, ça fait des ampoules. Y a tout le sable qu'il y a dedans. Elles sont toutes noires. Puis je vous explique pas l'odeur des pieds, surtout. Il est l'heure du décrassage. Enlève toute cette poussière. A trouvé une belle piscine là qui est assez profonde. Trop bien. Ça fait du bien. Coupé. C'est une bonne rivière bien fraîche. On a tellement peu dans le désert que là on est vraiment content. Alors, fais-tu bien? Et là, c'est le petit coin cuisine du chef. À l'abri du vent, c'est une petite installation. Appétissant, non? Alors là, on va aller pendre la nourriture à ours. Enfin, la nourriture. On va aller prendre notre nourriture pour éviter que l'ours vienne la manger. C'est le sac. Allez, Is, on y va. Allez, tout au-dessus. C'est parti. Hop, voilà. Là, faut faire passer un bout de bois là-dedans. Là, il n'y a plus qu'à relâcher. Et le...
voit, il va venir se coincer dans le scooter. Et voilà. Nickel. Et là, en gros, le seul moyen de récupérer le sac, c'est de tirer la ficelle, enlever le bout de bois, puis on espère retrouver notre sac demain. Allez, on fait la petite signature comme quoi on est bien passé. Ça nous fait un mois déjà. Rocket and Damien. On se dirige là-bas vers la Sierra. Wouh! Wow, c'est trop bien, c'est une section, on n'a pas d'eau. Là, on a une multitude de bouteilles. Je pense qu'on a assez. C'est trop gentil. Voilà, on a 1000 km. Wouh! On fait un quart de fait en un mois. Je fais très comme il y a 5 à grand Michel. On arrive bientôt à notre spot de camping, on a hâte parce que c'est là où il y a une water cache, donc il y a plein d'eau qui nous attend. Et on va pouvoir essayer de trouver un petit spot sympa. Et là, on vient d'avoir la vue sur un désert, mais vraiment désert. Et voilà, c'est là où nous nous arrêtons. Il y a plein d'eau. Merci les Trail Angels. Je crois que Damien a trouvé notre petite maison. Waouh, super spot. Oh, c'est tout ça, tu veux quoi? Eh ben, on va prendre un petit... On était au lit et là, try magique, trop cool. Thank you. Après une journée au soleil, une super bière avec des glaçons. Trop du bien, le rêve. Bon allez, il est temps de faire dodo, on a trouvé le bon spot qui devrait nous protéger du vent. J'avoue que la bière pour dormir elle va être parfaite. On a encore le petit soleil. On est samedi et on a trop de la chance car il y a encore un autre Trail Magic qui nous attend. Trail Magic! Thank you chef! Et là on a des ice cream, genre il y a un congèle dans la voiture. Et là on allait manger un burger, enfin on s'est fait un bon repas à Lugo's Grill. On arrive pour payer l'addition. Elle a... La serveuse nous fait non mais la patronne elle vous a offert le plat. Et la serveuse en fait c'est la fille de la patronne, donc merci à c'est trop gentil. À Esperanza et à Lisbeth pour ce geste, enfin, c'est incroyable. Et même ils ouais sont gentils. Et juste avant même, donc déjà ça incroyable quoi, on y revient même pas. Tu sais, on a bien mangé, on en a eu quand même pour au moins 70 dollars. Et juste avant aussi à Walker Pass, on arrive après 20 miles, 32 km, on a fait ça le matin. Et là, il y avait un trail magique, on a eu des donuts, une glace, il y a un mec qui est venu pareil sur le bord de la route, il nous a fait un hot dog. C'est trop cool, on a l'impression d'être des athlètes et puis on a... C'est trop dingue. C'est incroyable. Attends, on fait rien de spécial quoi, on marche toute la journée, on est en vacances et puis tout le monde nous offre plein de trucs.
Et voilà, encore une super belle journée sur le PCT avec plein de try magiques. Un resupply super, on a pu faire tout ce qu'on voulait, on a pu faire 26 miles, donc on est au-dessus du 40, donc on est une bonne journée à 2 jours de Kennedy Meadow et un petit spot super joli pour la nuit. Nous avons quitté le sable pour nous retrouver dans les cailloux. Ça c'est bon signe, les hautes montagnes approchent. Ces prairies et vallées sont gigantesques. On a bientôt fini le désert et ça se ressent, c'est trop beau. On est aux portes de la Sierra Kennedy Meadows dans quelques miles.